Bonjour à tous, je suis avec Jean-Pierre Rumeau, qui est l'auteur du roman Le Vieux Pays, qui est publié aux éditions Albin Michel. Donc, je vous montre la couverture. Voilà. Alors, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de votre roman Le Vieux Pays ? Tout à fait, bien que ce ne soit pas si facile que ça, mais enfin, disons, l'histoire, il y a vraiment deux choses essentielles dans cette histoire, c'est le lieu. C'est le lieu où se passe l'histoire et le personnage qui se situe dans cette histoire et qu'on voit au début. Je vais commencer par le lieu parce qu'il est vraiment extraordinaire. Il se situe tout près de Paris, à Goussainville. En fait, c'est le vieux pays de Goussainville qui a une histoire très particulière. C'est que au moment où a été conçu l'aéroport Charles de Gaulle numéro 1, dans les années 60, en fait, l'aéroport lui a été finalisé en 1974. La piste numéro 1 se trouvait exactement dans l'axe du premier village de Goussainville, qui était le vieux pays de Goussainville. La ville elle-même s'était développée par ailleurs. Et donc ce vieux pays, avec son église, avec son petit, c'était un tout petit village de départ, se retrouvait exactement à 800 mètres en bout de piste de Roissy. Donc ADP n'a fait ni une ni deux. On a dit on va racheter les maisons aux gens pour ensuite détruire ce fameux vieux pays pour laisser la place aux avions qui arrivent ou décollent en rase-motte au-dessus de cet endroit. Manque de peau. L'église qui se trouve dans ce vieux pays de Goussainville est classée au patrimoine des monuments historiques. Et donc ADP, après avoir fait une publicité incroyable auprès des gens, après avoir racheté 90% des maisons du vieux pays, s'est retrouvé propriétaire d'un endroit qu'il ne pouvait pas démolir et qu'il était tenu de conserver en l'état. Donc ça veut dire qu'ils ont muré les maisons, parce que les squatteurs sont arrivés très très vite, et ce vieux pays qui existe toujours aujourd'hui est un village fantôme. À partir de 1973, où il n'y avait plus personne dans le vieux pays, quasiment, il est resté en l'état, aujourd'hui encore, et c'est un village muré, un village fantôme, un village couvert de graffitis, détritus, de toits qui s'effondrent un peu partout. Donc un lieu absolument étonnant, puisqu'à deux pas de Paris, sous les avions, les Boeing qui décollent et aujourd'hui atterrissent sur la piste numéro 1 de Charles de Gaulle, se trouve un incroyable endroit qui est resté en l'état depuis les années 70, muré. Donc ça, c'est le lieu. Qui peut bien s'installer dans un lieu pareil ? C'est un personnage qui est hors norme, totalement, qui est mon protagoniste, qui s'appelle Padeloup Meunier. Je vous raconterai après un tout peu plus le prénom. Mais ce Padeloup Meunier est un personnage un peu étrange. D'abord étrange parce qu'il s'installe là. Et c'est un garçon qui est retraité de l'armée. Il a été démineur de l'armée, un EDEX, donc quelqu'un qui a risqué sa vie sur tous les théâtres d'opération pour déminer, pour sauver des vies. Le plus grand démineur peut-être que l'armée ait connu dans des 40 dernières années. Et il a décidé un jour, on verra un tout petit peu pourquoi, de s'installer là. Et il est particulier parce qu'il c'est vraiment un mauvais coucheur, un sale type, un très méchant fou. Comme je dis, un type hargneux, un type qui aime personne, un type qui envoie chier tout le monde. C'est un danger public. Et il a une particularité physique, il a deux particularités physiques. Il a perdu deux doigts d'une main, de la main gauche, donc il a une main un peu étrange. Et il a surtout des yeux verrons, c'est-à-dire des yeux qui sont de deux couleurs différentes, l'un quasiment noir, l'autre bleu pâle, donc avec un regard qui est très particulier et qui lui a valu son surnom de militaire à l'armée, Husky. Husky, comme les chiens de traîneau, qui ont souvent des yeux verrons. Alors, ce garçon, lui, sa première particularité, quand il naît, il s'appelle Padeloup. Padeloup n'est pas un prénom, c'est moi qui l'ai inventé comme ça. Et en tout cas, son père a voulu l'appeler ainsi quand il est né après-guerre, car ce père en question, le père de Padeloup, a été sauvé durant la Deuxième Guerre mondiale par un Allemand antifasciste, anti-nazi, qui lui a sauvé la vie, qui l'a caché. Et par reconnaissance envers cet ami d'Outre-Rhin, le père a voulu donner le nom de Wolfgang, puisque cet ami s'appelait Wolfgang, à ce Padeloup. Et à ce moment-là, ça a créé un petit problème familial, parce qu'appeler Wolfgang un enfant après la Première Guerre mondiale, c'était le vouer, bien évidemment, au lynchage à l'école, quasiment. Donc voilà, il a modifié son point de vue sur la forme, mais pas sur le fond. Il a traduit Wolfgang, Wolf, loup en allemand, Gang, le passage du loup, pas de loup au sens littéral du terme. Et donc il a appelé son enfant Pas de loup. Et c'est ainsi qu'est né un petit Pas de loup Meunier. Ce prénom va bien entendu le poursuivre, puisque cet ami allemand
qui, lui, va être totalement dévasté par ce qu'il apprend et ce qu'il savait. Lui, qui est anti-nazi, anti-fasciste, va découvrir l'Allemagne de la Shoah, l'Allemagne qui a produit tous ces meurtres. Donc, il va vouloir quitter l'Allemagne, quitter ce pays, ne plus jamais parler cette langue, déserter cet endroit, et il va émigrer en Israël. Il va devenir israélien, il va épouser une juive, il va se convertir lui-même, et c'est ce parrain, puisque c'est le parrain de Padeloup, c'est ce parrain qui va remplir l'imagination de Padeloup jeune homme, et qu'il va retrouver, lui, en Israël pour la première fois en 1968, juste après la guerre de Six Jours. Il rencontre ce fameux parrain qui est un héros de guerre, un type qui fait partie de l'imaginaire familial, et qu'il va connaître également son épouse. Et ces deux personnes, Rachel et Wolfgang, devenus Zeev, ce qui veut dire loup en hébreu, vont devenir les deux parents adoptifs de Padeloup, qui va bien entendu découvrir ce pays dans 68, un pays qui sort de la guerre, un pays de pionniers, un pays de gens qui sont d'un courage incroyable, un pays également de culture. Et son parrain va lui offrir le Si c'est un homme de Primo Levi, qui est un livre qui est édité en anglais, parce qu'en 68 il n'existait pas en français. Padeloup va dévorer ce livre, qui va l'influencer, puisque quand il s'agira de choisir ses études, il va vouloir devenir chimiste, comme l'était Primo Levi. C'est ce qui avait sauvé la vie au camp, d'ailleurs. De retour en France, Padeloup va commencer des études de chimie. Il va rencontrer surtout une jeune fille, juive également, dont il va tomber follement amoureuse. C'est un amour d'une incandescence incroyable, un amour qui renverse tout. C'est la première fois, lui qui a perdu sa mère depuis tout petit, qu'il a cet amour qui l'emplit totalement. Et il va aller très loin pour cet amour. Lui qui n'est pas juif, il va se faire circoncire pour plaire à cette jeune fille magnifique. Et elle veut lui faire un jour, un dimanche de 3 juin 1973, elle veut lui faire connaître sa famille, donc elle l'amène à Goussainville. Et elle veut lui faire connaître également le vieux pays qui va bientôt disparaître. Et de retour dans la famille, après cette visite, Padeloup s'est un tout petit peu éloigné de la maison de Jeanne, puisqu'elle s'appelle ainsi, et de ses parents. Et à 50 mètres, d'un seul coup, il voit Jeanne, il voit ses parents, il voit le chien, il voit cet amour de sa vie. Et brusquement, il voit quoi ? Une boule de feu, une explosion terrifiante. Et Jeanne, ses parents, le chien sont pulvérisés par cette chute du Tupolev 144 qui était en partie du Bourget, qui faisait une exhibition pour le Salon du Bourget, qu'il tombe sur Goussainville et qui anéantit son amour. C'est un choc terrifiant pour lui, c'est un choc qui va bouleverser sa vie. Il va s'en remettre peu à peu et il va continuer à vouloir être chimiste. Et lors de son service militaire, la chimie le conduit à découvrir le métier de démineur, et il va choisir réellement ce métier de trompe-la-mort, puisque c'est un type qui ne croit plus en rien, il n'a pas envie de mourir, ce n'est pas un suicidaire, mais la mort ne lui fait pas peur, et c'est ce qui va le conduire à devenir l'un des plus grands démineurs, sans doute, de cette fin de siècle au sein de l'armée, mais un démineur considéré comme un fou furieux. Et quand il prendra sa retraite, après avoir été blessé au Rwanda, il va dire où est-ce que je vais aller maintenant, et il va revenir sur les lieux de son drame, et il va s'établir au début, à la fin des années 90, au début des années 2000, dans ce vieux pays qui est pour lui un cercueil, où il va trouver un cercueil, en effet un endroit où il va imposer sa vue, puis il va être quasiment un des rares habitants, et ça va être une sorte de roi dans son royaume dévasté, et il va revisiter tous les jours cet amour perdu depuis 40 ans, avec ses avions qui décollent et qui passent au-dessus de sa tête 100, 200 fois par jour. Et à ce moment-là, cet homme qui a fini sa vie, qui s'est réfugié encore une fois, comme je le dis, dans un cercueil. C'est vrai qu'il a trouvé un couvercle ouvert. Je lui ai dit pourquoi pas, c'est bien pour moi cette affaire-là, un cercueil, j'y rentre dedans et je vais terminer. Là, le monde extérieur va pénétrer dans le vieux pays, et ce monde extérieur, et ça je ne vais pas m'apesantir plus longtemps, parce que c'est le roman lui-même, ce monde extérieur qui est constitué de quoi ? Aujourd'hui,
dans ces banlieues, de dealers, de choses diverses, mais également de choses très très bien, de jeunes gens formidables, et puis également, alors là c'est le terrifiant hasard qui fait ça, le terrorisme s'impose là, dans ce pays, dans ce vieux pays, et Padeloup, à ce moment-là, choisira, comme il l'a toujours fait, parce que c'est un fou furieux, de réagir à sa manière. Mais j'en dis pas plus, parce que ça c'est le reste du livre. Quelle a été votre inspiration, votre source d'inspiration pour l'univers, les lieux, le personnage principal aussi? En fait, dans l'ordre, ça a été le lieu. Le lieu lui-même, parce que ce lieu que j'ai découvert, moi, il y a longtemps, j'ai travaillé d'ailleurs pas très loin de ce lieu comme cascadeur, et le lieu est un lieu, on se dit c'est un lieu de théâtre, c'est un lieu de cinéma, c'est un lieu où il doit se passer quelque chose. On est cette proximité, c'est un choc entre la modernité la plus incroyable, puisque ces avions sont partout, et en même temps une espèce de désolation, un univers de survie, un univers dévasté. Et donc, le personnage qui peut s'établir là-dedans, qui va-t-il être? Moi, je l'ai choisi, et à ce moment-là, je choisis évidemment cette espèce de chose qui, moi, me séduit complètement, c'est-à-dire de prendre un lieu que personne ne veut et que quelqu'un brusquement habite, et ce quelqu'un va devenir le roi de ce royaume où il y a quoi? Il n'y a rien, mais c'est un beau royaume. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'écriture de ce thriller? Dans l'écriture du thriller en général, d'ailleurs de celui-là, mais des autres aussi, enfin des autres que je suis en train d'en préparer un autre actuellement, c'est ce que j'évoque à un moment donné dans le livre. J'appelle ça, c'est un film des années 70 avec Alain Delon, Gian Maria Volante, Yves Montand et Bourville, qui faisait son premier rôle tragique. C'est un film qui s'appelait Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville. Et Jean-Pierre Melville, au début, met un carton au début de son film, et ça explique ce que j'aime, moi, chez un thriller, et celui-là en particulier, c'est que le cercle rouge, c'est que d'où que viennent certaines personnes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture, quelle que soit qui qu'elle soit en réalité, pour une raison, pour le destin choisit à un moment donné de les réunir dans le cercle rouge. Le cercle rouge, c'est le cercle de la mort, le cercle du sang, et ça, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens qui ne le souhaitent pas, bien entendu, ça, c'est les hasards de la vie, et en même temps, c'est ce qui fait tout l'intérêt d'un thriller, c'est-à-dire qu'on prend A, B, C, D, X, Y, Z, 10 personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui sont sûrs, si on leur pose la question, qu'ils ne se rencontreront jamais, ça c'est évident, et surtout pas qu'il leur arrivera les choses invraisemblables qui vont leur arriver, et pour le destin choisit à un moment donné de les réunir dans le cercle rouge. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse, de prendre des personnages qui vont amender, ils se retrouvent coincés dans la cage. Du coup, vous avez un peu commencé à y répondre, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler déjà? Alors oui, j'ai un projet d'écriture, je travaille depuis à peu près 6 mois sur la documentation de ce projet, parce que c'est un gros travail documentaire, et j'ai commencé l'écriture, et je ne vous raconterai pas l'histoire, je vous dirai quelque chose, autant dans ce premier roman, dans ce roman de Le Vieux Pays, le personnage principal est un militaire, est un démineur, ce qui n'est pas tout le temps vrai, c'est un soldat et un démineur, très particulier, un type un peu barge. Donc ça, on peut imaginer, hein, démineur, bien que ce ne soit pas un combattant au sens pur, c'est un type qu'on peut imaginer, les démineurs sont très particuliers. Dans celui que je prépare, le protagoniste, le personnage principal est un prêtre. Donc on change d'univers complètement, donc ce qui veut dire que moi, je me suis renseigné évidemment sur l'univers des prêtres, que je connaissais de loin, comme tout, mais on est très très surpris, et en même temps, il va croiser deux destins, deux personnes, un policier qui a subi un attentat, lui, et qui a perdu une jambe, et donc je me suis intéressé, j'ai beaucoup fréquenté, je fréquente toujours d'ailleurs, le monde des prothèses, le monde des handicapés, ceux qui sont en chaise roulante, puisqu'à un moment donné, un prêtre et un handicapé, non pas en chaise roulante, mais qui a perdu une jambe, vont peut-être se faire et tenter, d'une manière horrible, de se faire justice après un drame qui a secoué le lieu où ils se trouvent. Donc voilà.
un prêtre, des handicapés, des gens un peu cinglés. De toute façon, c'est ce qui m'intéresse, c'est le cercle rouge, encore une fois, avec des gens qui viennent. Un prêtre, on l'attend pas, mais bon, on prêtre à moi, il va perdre la foi, c'est sûr, à un moment donné. Voilà, il va devenir fou. Est-ce que vous avez des auteurs, des livres qui vous inspirent quand vous écrivez et qui vous influencent ? Alors, oui et non. Quand j'écris, et même quand j'écris pas d'ailleurs, je suis inspiré. Ce qui m'inspire, c'est l'actualité, c'est-à-dire l'actualité, les journaux, les choses comme ça, et donc en littérature, les témoignages, les gens qui témoignent de leur expérience dans tel ou tel domaine, des domaines qui sont aussi variés, parce que je m'intéresse absolument à tout. Et donc ça, ce sont des témoignages. Après, en littérature, les gens qui m'inspirent sont des gens, en fait, qui m'ont inspiré. Et ça, c'est certains grands auteurs qui m'ont bouleversé, qui ont bouleversé même ma façon de voir les choses. Depuis, j'ai lu L'étranger de Camus, j'avais 12 ans. Et ça, c'est un livre qui m'a bouleversé à 12 ans. Heureusement, je l'ai lu en cachette. Mon père voulait surtout pas que je lise des trucs aussi horribles. C'est tout petit, si petit. Mais voilà. Alors, il y a d'autres livres, bien évidemment. Il y a d'autres auteurs. Camus est un de ceux-là. Hemingway a été un auteur qui m'a bouleversé, passionné, que je relis souvent. Blaise Cendrars, qui lui est vraiment un auteur qui est particulièrement cher à mon cœur, Céline, Voyage au bout de la nuit, qui a été un choc émotionnel. Et depuis relativement peu, une dizaine d'années, j'ai découvert un auteur d'Allemagne de l'Est, mais qui écrit aux États-Unis, qui s'appelle Edgar Ilsenrath, qui est un auteur que je recommande, puisqu'il est plus noir. C'est impossible d'écrire. Il a écrit un livre qui s'appelle Nacht, Nuit, sur un ghetto juif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que c'est la chose la plus incroyablement dure que j'ai jamais lue. Et avec cet auteur est une magnificence. Donc voilà, là ce sont des gens qui m'inspirent, il y en a plein, bien entendu, mais disons qu'il n'y a pas d'auteur de fiction au sens pur, surtout dans le thriller, qui m'inspire pour écrire des thrillers. C'est la vie qui m'inspire et c'est la littérature en général. Est-ce que vous avez un livre préféré ? Et deux ou trois, c'est pas grave. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors oui. J'ai pas besoin de réfléchir. Je connaissais la question avant, vous me l'aviez donnée, mais j'ai pas besoin de réfléchir pour ça. Parce que, en fait, c'est Blaise Cendrars, je dis souvent pour plaisanter, qui m'a présenté cet auteur, parce qu'il en parle beaucoup dans certains de ses livres, que j'ai découvert, évidemment, c'est un monsieur qui est mort en 1912 ou 1913, donc, et qui s'appelle Rémy de Gourmont, qui est un auteur, un penseur, un auteur de fiction, un auteur d'essai, un auteur qui a écrit Physique de l'amour, qui a étudié l'amour chez les animaux, qui est un livre admirable qu'il a écrit dans les années 10. C'est lui qui a refait connaître Lautréamont, qui a fait la première préface de Lautréamont et qui l'a donné au grand public. C'est lui qui a fait connaître réellement le Rimbaud et Lautréamont, un grand homme d'un incroyable esprit, d'une intelligence hors norme, philosophe, penseur. Donc, alors, bien entendu, j'ai lu ça avec passion. Il est devenu mon auteur, c'est-à-dire c'est mon maître à penser. C'est comme ça qu'on dit. Et pourquoi c'est un truc particulier. Le truc particulier, quand j'étais jeune, tout jeune homme, étudiant, j'ai trouvé un jour Les promenades littéraires de Rémy de Gourmont, que je cherchais depuis longtemps, chez un libraire de l'Odéon à Paris. Et je suis allé voir le libraire et je lui ai dit combien ça coûte ce truc. Et il m'a annoncé un prix qui était astronomique pour moi, parce que c'est des livres rares, bien entendu. Et j'ai dit je le prends, mais il faut que j'attende un petit moment pour vous le payer, parce que je ne suis pas tellement en fond. Et alors il m'a dit non, il n'y a pas de problème, j'attends. Et 6 mois après, je suis revenu chez ce libraire. Et donc j'ai dit, ça y est, j'ai l'argent, je peux vous acheter. Il m'avait gardé les 8 tomes. Et je lui ai dit, je vais vous payer. Il m'a dit, oui, voilà la note. Et la note était la facture qu'il m'avait donnée à l'époque, divisée par 2. Par 2. Et là, j'ai dit, je ne comprends pas très bien comment ça se fait. Je suis ravi, bien entendu, mais comment ça se fait. Et il m'a dit, Rémy de Gourmont, c'est un auteur qui choisit ses lecteurs. Et il m'a fait ce cadeau magnifique,
qui m'émeut encore en vous en parlant. Voilà, c'est un auteur qui m'a choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Et donc c'est pour ça que j'ai un faible pour lui. Voilà, voilà Caroline. D'accord. Ben, merci beaucoup en tous les cas d'être passé et d'avoir répondu à quelques-unes de mes questions. Merci.